Et plus que 8 jours pour l'ouverture de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2024, le comité national d'organisation prend langue avec les différentes commissions pour mieux relever le défi de l'organisation. Hier à Bobo de Dioulasso, une rencontre d'échange entre les acteurs a permis de faire le point des préparatifs. Lamine Karantao, Sirigui Milogo et Salam Dabal. La Semaine nationale de la culture avance à grands pas. Pour parfaire l'organisation de cette biennale culturelle, le président du comité national d'organisation échange avec les responsables des différentes commissions. Objectif, recueillir leurs préoccupations afin d'y apporter des solutions avant le jour J. Nous avons réuni les présidents et vice-présidents de commission en vue donc de passer en revue donc, les tâches que nous leur avons confiées. Effectivement, toutes les commissions étaient là. Nous avons fait le point et il y a des motifs de satisfaction. Les données qui nous ont été présentées sont suffisamment satisfaisantes et nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes presque à 90-95% donc du niveau, en tout cas du niveau de réalisation des activités qui ont été programmées. À tour de rôle, le point de la situation est fait. De la sécurité aux finances, en passant par l'hébergement, la restauration et la santé, l'exercice permet de jauger le niveau général de l'organisation. Nous sommes dans la phase de déploiement de la logistique. Alors sur le site de la foire, vous aurez constaté les stands, les chapiteaux, au village des communautés, c'est le même constat qui peut être fait. Alors il reste juste quelques petits réglages donc pour nous permettre véritablement d'accueillir de façon assez sereine nos invités. 42 prix spéciaux seront décernés à la présente édition, compte 37 pour la dernière. Et quant à la foire d'exposition, sur une prévision de 600 stands, 565 sont déjà installés à ce jour.